Oui, il reprend le cycle de la mulâtresse solitude en continuant, si vous voulez, le personnage de Mariotte du début du plat de porc aux bananes vertes. Ensuite est venue mulâtresse solitude et maintenant, après 100 ans de solitude, il y a enfin cet autre ouvrage de nous deux, de nouveau. Et ce n'est pas souvent que l'on peut convoquer un mort pour écrire avec lui, à côté de lui, en face de lui, avec lui. Et ça s'est passé pourtant. Et il y a cet ouvrage qui est, ma foi, reçu après, comme je vous dis, tout ce silence. J'ai d'ailleurs pensé que je n'aurais jamais pu reprendre l'écriture. Et puis, c'est venu si naturellement et au moment nécessaire, tout simplement, je pense. Hein. Et nous voilà au festival, Étonnant Voyageur. Évidemment, étonnement, bien évidemment, et aussi tellement de joie à côtoyer ce monde à côté du monde, au milieu du monde, tout cet autre monde des artistes et puis aussi des visiteurs qui viennent et qui vous parlent tellement fraternellement, qui côtoient. On sent que toute cette population à Saint-Malo a l'habitude de côtoyer les artistes, a besoin de poésie, a besoin de l'angle, du grand angle sur le grand large, puisque Saint-Malo est ouvert, c'est une ville ouverte sur la mer, comme nous, notre île, nos îles, je veux dire. Et c'est très, très prenant comme ambiance. C'est vraiment très spécial. Ça donne vraiment aux artistes, à tous les artistes que j'ai pu rencontrer, en tout cas, le désir de s'accrocher des ailes pour voler au-dessus du nid de coucou, bien évidemment. Et il y a également le désir, je pense, ou plutôt l'opportunité pour les visiteurs de se faire une greffe des yeux et du cœur pour regarder différemment un peu ce monde qui les entoure et avoir d'autres options, d'autres imaginations, d'autres propositions et que enfin la planète puisse cesser de mourir. Le prix Littérature Monde nous place dans l'ailleurs où nous sommes déjà, nous place dans le multiple. Que nous n'avons cessé de vivre, nous avons toujours été des précurseurs. On parle maintenant du tout-monde, mais nous, on l'a vécu, le tout-monde. Et la preuve qu'on l'a vécu, c'est qu'on peut l'écrire et on peut le donner à voir au-delà même de la mort. De l'un des conjoints, des partenaires, des amis, de tout ce qu'on a été, nous deux, de notre histoire. Donc, ce prix du tout, ce prix de la littérature tout monde, je dis, vous voyez, le lapsus, mais c'est la même chose. Vraiment, honore André, et enfin, nous passe un peu de baume sur nos blessures. C'est toujours la même chose pour moi depuis le début. C'est un livre de Tchekhov. Tchekhov, c'est mon maître. Voilà.